Le monde de la fiction dépourvu d'images est régi par 5 règles immuables. Règle numéro 1. À chaque épisode et suivant le principe de Schrödinger, au moins une terre éclatera ou pas. Règle numéro 2. Papadopoulos est un rôle qui ne pourra être joué qu'une fois par un acteur ad vitam. Si une seule de ces règles est enfreinte, la terre éclatera. Bonjour à tous. Bon, on va essayer de pas y passer la journée. Hein. Alors, le principe est simple. Vous vous tenez devant la caméra et vous répétez la phrase qui est écrite sur l'écran. Ah, voilà, faut que ça avance même. On va essayer de même pas y passer la matinée. Hein. Allez, hop, au premier. Salut. Oui, bon, salut. Allez, bon, on n'a pas l'heure non plus. Hein. Tu lis, on passe au suivant. Voilà. Je m'assieds ici, moi. Bon, faut tuer qui pour avoir un café ici? Moi, Papadopoulos, je vais élaborer un plan diabolique pour faire éclater la planète. Rire machiavélique. Ah non, mais il faut pas dire rire machiavélique, il faut le faire. Ah, ok, merci, suivant. Comment ça, suivant? Mais il me reste au moins 3 lignes de script. Bah ouais. On en a assez entendu, c'était très bien d'ailleurs. Et on ne manquera pas de vous recontacter. Mais c'est une blague. Ouais, bon, suivant, et il est où le suivant? Vas-y, hop. Bonjour. Ok, merci, suivant. Quoi? On en a assez entendu, c'était très bien d'ailleurs, hein. La violence du truc. Bah oui, j'aime moi. Et on ne manquera pas de vous y recontacter. Alors déjà, ils n'ont pas voulu moi danser avec les célébrités, ni à facile à réussir. J'ai dit suivant, mais il n'y a personne. C'est à moi, là. Il faut qu'on le ponde, le suivant, ou comment ça se passe? Voilà. Ah bah faut pas être pressé, hein. Allez, hop. Moi, Papadopoulos, je vais élaborer un plan diabolique pour faire éclater la planète. Vous n'aurez aucune chance de vous en réchapper cette fois. Cette saison sera votre dernière saison. C'est pas hyper convaincant. Bah, c'est peut-être le texte en même temps. Oui, bah, le texte est très bien, Coco. Hein, on est à l'épisode 32. Tu crois qu'on serait à l'épisode 32 si le texte n'était pas très bien? Hein, tu crois sincèrement qu'on serait à 32 épisodes si on faisait des mauvais textes? Bah, y a pas que ça. Le coup de casser le quatrième mur, même en montrant que vous en êtes pleinement conscient, c'est daté, les gars. Et puis, franchement, pour l'auditeur lambda, ça porte à confusion. Ce que tu ne comprends pas, mon grand, c'est qu'on n'a pas d'auditeur lambda. Vous avez pas d'auditeur tout court. Et après ce que vous m'avez fait, vous venez de perdre un bon auditeur. Et en plus, t'as dit diabolique. C'est diabolique. Bah oui, diabolique, quoi. Ok, merci, suivant. Bon, c'est bon, je l'ai. Suivant. Allez, hop, ça suit. Ah, non, tu dis diabolique. Diabolique, quoi, oui. Diabolique. Allez, ça suit, là. On accélère, on s'active. Ah ben, c'est à moi de jouer, alors. Oui, on peut essayer. Allez, on y va. C'est impossible. Papadopoulos ne peut pas être joué par un Québécois. Bah, je suis pas Québécois, tabarnak. Quand même un peu. Non, je suis pas Québécois, je suis français. C'est carrément, mange. Bon, ça joue, quoi, ouais, si ça continue, c'est moi qui vais le prendre, le rôle, hein. Non, fais gaffe, on ne peut le jouer qu'une fois. Il faut le garder pour plus tard. Ouais, bah plus tard, c'est maintenant, vu tout le temps gâché, là. Hein. Papadopoulos ne doit pas être joué par un Français, mais par un Grec. Merde, c'est une des 5 règles, ou pas? C'est plus long, on les a écrites quand on était bourrés. Ah, c'est con, parce que j'ai plus le papier que j'avais fait pour me les rappeler, là. Bah, regarde sur le NettoWiki. Bah oui, c'est vrai. Alors, non, rien concernant les Québécois. Tu peux y aller, non? Bah, on est là pour ça, que je sache. Allez, je lance l'enregistreur. Moi, Papadopoulos, je vais élaborer un plan diabolique pour faire éclater la planète. T'es vraiment sûr que pas de Québécois, c'est pas dans les 5 règles? Il faut qu'on les revoie, ces règles. Ouais, peut-être faire des petits ajouts, non? Parce que... C'est bon, là, je suis pris. Mais on en a assez entendu, c'était pas si mal, d'ailleurs. Hein. C'est ça, voilà, on ne manquera pas de peut-être vous recontacter. C'est un oui ou c'est un non, là? Oh, vous savez, faut pas être si binaire dans la vie. C'est non. Voilà, suivant. Oh, c'est quand même vachement binarisé, cette affaire-là. Ah, tous ces gens qui ne pourront plus jamais jouer Papadopoulos. Eh oui, un seul essai, c'est la règle. Si on ne veut pas que la terre éclate. Bon, le suivant, il a des jambes ou faut le porter? Ah, bah donc il faut la porter. Ah, c'est au tour de ma fille. Ah ouais, bah vous voyez? Voilà, il a eu carrément un enfant le temps qu'on patiente entre les participants. Ah bah bravo le piston. Et là, j'imagine que le fait qu'elle parle pas, ça pose pas de problème. Ouais, bah au moins elle a pas d'accent, celle-là. Ah bah, on arrive à la comprendre, elle. Oh, mais voilà enfin quelqu'un qui a cerné le personnage. Mais oui, mais c'est excellent, on te rappellera, ma chérie. Bon, allez, de principe, on va quand même écouter les autres, hein.
qu'ils se soient pas déplacés pour c'est rien. C'est vraiment histoire d'eux, hein, parce que là, on avait quelque chose, quoi. Bon, le suivant, c'est qui? C'est où? Hein? Bon, il se passe quoi, là? On vient de changer d'année en attendant la suite. J'arrive! Tiens, Mimi, rappelle-moi d'appeler ma manucure, hein. J'ai pris 2 cm d'ongles en l'attendant, celle-là. Bon, allez-y, là. Moi, Papadopoulos, je vais élaborer un plan diabolique pour faire éclater la planète. C'est bizarre, il n'y en a pas un d'entre vous pour nous dire que Papadopoulos peut pas être joué par une femme. Non, absolument pas. Non, je vais pas râler avant de passer. Puis de toute façon, si je râlais, ce serait pas pour ça. Moi non plus. Ah, bah, t'es là toi aussi? On se croise à tous les castings. Oh, pas moi, c'est pour le blé, tu sais. Hein. C'est un rôle alimentaire. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Hein. Vous, là, pour le rôle alimentaire, eh ben vous n'avez qu'à aller chez Fibel. Eh ben vous me donnerez l'adresse. Bon, sérieusement, il y a quand même pas que moi que ça choque que ce soit une femme. Bah moi aussi, mais enfin, il faut bien faire jouer les minorités. Les minorités? Les minorités? Oui, enfin, on se comprend. Non, on se comprend pas. Je n'ai finalement peut-être plus du tout envie de jouer pour des réals aussi cons. Ben moi non plus. Merci de m'avoir fait venir juste pour ça, c'est hyper... Parfait, cool. Merci, c'était très bien. On ne manquera pas de vous recontacter. Vous n'avez pas mon numéro? C'est rien, on le trouvera. Vous n'avez pas mon nom non plus. Ça aussi, on le trouvera. On est des trouveurs, nous. Des trous de cul, surtout. Bon, il reste qui? Un grand-père unijambiste, j'imagine, vu qu'il n'est pas encore entré sur scène, non? Il ne reste que moi, j'arrive. Bah, je vais le décrocher sur... Et moi? J'avais dit que je voulais bien enregistrer une phrase. Eh ben c'est fait, merci. Mais... On a dit une phrase. Bien, le suivant est en place. Ah, enfin, qui réagit un peu. Cool, j'imagine que je suis embauché alors. Bah on va peut-être faire l'essai avant quand même. Allez Coco, donne tout ce que t'as, c'est ton moment. C'est la chance de ta vie. Une occasion unique, ne la gâche pas. Moi, Papadopoulos, je vais élaborer... C'est quoi ce bordel? Ah ouais, mais sympa ce rire. Pas mal non plus. Lui, à part ma fille, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a eu avant. C'est qui? C'est le champion de France 1993 de Cluedo. Mais non, c'est le champion de France. Nous avons relu les 5 règles. Et nous avons décidé d'en emprunter. Saurez-vous deviner lesquelles? Mais, oh non! Mais attends, mais ils ont pas déjà joué Papadopoulos, ce 3? Je crois, oui, mais je me souviens plus dans quel épisode. Netto Wiki? Je vais regarder. Eh oh, vous nous écoutez? On est là pour faire éclater la tête quand même! Et eux, ils consultent le Netto Wiki! Alors, épisode 8, épisode 14 et épisode 15. Merde! Mais là, c'est carrément une triple infraction à la règle numéro 2. Je crois bien. Et là, du coup, j'imagine, on va entendre dans un instant la harpe, le fameux boom.wave, la terre éclate, coupée, on envoie la machine Afrique, hein, c'est ça? Bah, ça aurait déjà dû commencer, non? Ben, c'est vrai, c'est bizarre. D'habitude, ils sont assez réactifs à la réal. C'est qui, d'ailleurs, sur celui-là? Bah, c'est toi. Mais attends, et comment je peux être à la fois ici et en train de réaliser l'épisode? Mais non, c'est moi qui réalise cet épisode. Toi, t'es l'assistant réalisateur, François. Ah, Simon, enfin, Mitty. Mais t'es où, là? Et t'es même pas dans le script! C'est génial parce qu'on l'entend, mais il n'est nulle part dans la scène. Il dit qu'il réalise, mais c'est pas lui en vrai. On dirait du David Lynch. Ben non, c'est du Mimi TJP. C'est ouf! Son pseudo est la contraction parfaite des deux nôtres. Oh, ça avait forcément été réfléchi depuis le départ pour arriver à cet endroit précis, ce jour précis. Ça commence à devenir vexant! C'est surtout très chiant et hyper confusant. La vache! À ce niveau de destruction de quatrième mur, vous devriez bosser dans le BTP, les mecs, hein. C'est de là qu'on vient. Eh ben, fallait être à la conférence MP3 à Paris 2019. Ah ouais? Mais c'était à la même heure que les pizzas. Et puis en plus, il fallait que je surveille le stand de Red Universe, moi, hein. J'étais pas là pour peigner la girafe. Eh, hey, sinon, on est là. Oui, alors vous avez enfreint la règle numéro 2, donc... Pas uniquement. Nous avons aussi enfreint la règle numéro 3. Quoi? Moi, j'ai amené 2 extraterrestres. Wargloob et Warmol. On comprend pas ce qu'ils disent, mais ils sont sympas. Moi, j'ai voyagé dans le temps à bord de votre DeLorean. Notre DeLorean? Comment ça, notre DeLorean? Je l'ai récupéré dans un TARDIS. D'ailleurs, à qui est ce sandwich? Oh, bah mon sandwich tombeur de cacahuète, je me demandais bien où je l'avais laissé celui-là. Et moi, je vous ai forcé à publier un 6e épisode pour cette fin de saison. Moi! 6 épisodes? Eh oui! Le spécial Boom Man, un jeu méga boom. Je voulais causer un plus grand problème dans le subtil équilibre des éclatages de planètes. Quelle perversité! Ah oui, c'était super, je me demande quand est-ce qu'on va refaire une partie. Jamais! C'est un jeu de merde! Déjà, vous écoutez une nuit entière avec à l'agence,
Tu m'étonnes que j'ai eu envie de revenir tout éclater juste avant. Et alors, ça veut dire qu'on cite dans ce scénario un script qu'on a écrit en parallèle pour une autre série audio ? Que l'univers est tendu complexe ! J'en ai presque mal à la tête. Mais prenez donc un paracétamol Vax. Mais ça fait tellement de règles enfreintes. Nous sommes le mal incarné ! Alors, la Terre éclate ou n'éclate pas ? Franchement, j'en sais plus rien. Je suis dépassé par le scénario qu'on a écrit. Mais t'es sobre en plus, je m'en souviens, c'était un vendredi matin. Bon, bah maintenant qu'ils sont là... T'as raison, les gars, vous pouvez lire le script ? On est en train d'enregistrer, là. Moi, Papadopoulos, je vais la diabolique de la planète, c'est la planète. Vous n'aurez aucune chance de vous en rechercher cette fois. Cette saison sera votre dernière saison. Vous ne croyez pas si bien dire. Mimi, t'entends ce que j'entends ? Oui, mais attends. Voix off, tu peux nous entendre ? Oui, évidemment que je vous entends. D'ailleurs, je suis joué par toi. Oui, je sais, je t'ai enregistré il y a un quart d'heure avant de faire ce rôle et puis celui d'Alice. Mais dis-moi, voix off, si une règle est enfreinte, la Terre, elle éclate. Mais si quatre règles sont enfreintes, est-ce qu'on n'est pas dans un des cas d'exception à la première règle selon les règles qu'on a définies, quoi ? Oui, mais quatre est un chiffre pair. Je savais que j'allais dire ça. Alors, j'ai encore la page NettoWiki sous les yeux, et ça, visiblement, les chiffres ou pairs ou impairs, ça entre pas en compte. Et puis, ils ont fait une triple infraction, et ça, c'est impair. Ah ah ! Eh mais non, mais c'est pas du jeu ! Un jeu ? Mais qui a dit que c'était un jeu ? Attendez. Il reste une réplique de voix off que j'ai enregistrée, mais je ne l'ai pas encore entendue. Alors, éclata, éclata pas ? Bah voilà, c'était celle-là. Bon allez, on en a assez entendu là, il faut trancher maintenant. Très bonne question, vous connaîtrez la réponse en écoutant la saison 4. Mais celle-là, je ne l'ai pas enregistrée. Mimiti JP, non, ça fait trop là. Désolé, c'est mon Mulholland Drive à moi. Sérieusement, un cliffhanger pour finir une saison. Mais personne l'avait vu venir celle-là. En tout cas, merci d'avoir écouté. On ne manquera pas de vous recontacter. Et sinon, j'ai le rôle ou pas ? Parce que j'ai pas eu de réponse, en fait. Du coup, moi, je sais pas. Du coup, je vous relance, hein. On sait jamais. Vous êtes plus là. M'écoutez même pas. Personne ne m'écoute, de toute façon. Vous savez, moi, ça me va très bien de jouer de la figuration. C'est pas grave. Je dis rien. Du coup, on peut se faire ça. Voilà. Je me répète, mais ça fait rien. Du coup, là, j'ai répondu direct sur la demande sur Twitter. Et je suis très content d'être dans la Terre éclate. Même si c'est pour un petit rôle, moi, je suis super heureux. Parce que l'autre jour, en plus de ça, j'étais avec Dr. Wolf au bar à Lyon. Et lui, ça fait je sais pas combien de temps qu'il veut absolument jouer. Bah oui, Doc, il est pas là. Il est pas venu au casting, Doc. Il a pas Twitter. Et du coup, ça fait un moment, juste, il veut jouer dans la Terre éclata. Et il dit à chaque fois, putain, comment t'as fait pour avoir un rôle là-dedans ? Moi, je veux jouer dans la Terre éclata. Du coup, si tu veux la voix grave de Doc, voilà, lui, tu sais qu'il kifferait jouer dans la Terre éclata. J'étais content qu'il me fasse mon Batman, quand même. Si t'as besoin que je te refasse d'autres impros, parce que là, je parle pour rien dire depuis tout à l'heure, au cas où ça peut se servir, mais ça se trouve, tu vas même pas l'utiliser. Si tu veux d'autres impros, t'hésites pas à me le dire, parce que j'ai le temps. Voilà. Et sur ce, je te dis bon courage, et à très bientôt.